Okay, good morning once again. Welcome on board flight 3600 to Boston. Taking you to Boston today, you have Captain Doug and First Officer Brian. Taking care of your safety in the cabin, you have Martine and myself, Steph, right behind her. As your safety is important to us, we need your full attention to cover the following information. In the seat pocket in front of you, there is a safety features card. Please take it out and follow along as we cover the following points. To fasten your seatbelt, insert the flat metal fitting into the buckle. Pull on the strap to tighten the belt low and tight across your hips to release if you lift the upper part of the buckle. Your seatbelt has to be fastened whenever the seatbelt sign's on. For your safety, in the event of unexpected turbulence, we recommend your seatbelt fastened at all times while seated. There's a total of 4 emergency exits on this aircraft. There's 2 at the front of the cabin and 2 at the back of the cabin. These exits are clearly marked. Please take a moment to find the exit closest to you along with all other exits, and please keep in mind your closest exit may be behind you. This aircraft's also equipped with floor lighting that will come on in the event of a power loss or emergency. The floor area will be illuminated and all exits indicated by an exit sign. Now please ensure your seat back and tray table are in the upright and locked position, that you follow the information signs located right above you. At this time, you're welcome to use your earphones and small handheld electronics, provide the electronics are secure as held and the signal remains off. If there's anything we can do for you, if you have a question or concern, please let us know. We'd be happy to help. Thank you for your attention and have a great flight. Bonjour, et bienvenue à bord, votre numéro 3600, à destination de Boston. Afin d'assurer la sécurité de tous, nous vous prions de nous accorder toute votre attention lorsque nous examinons les procédures de sécurité suivantes. Sur la page devant vous, vous trouverez une carte de mesure de sécurité. Veuillez suivre avec nous les points importants. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette de métal dans la boucle. Tirez sur la cordon pour ajuster ce manche pour détacher. Il suffit de soulever la boucle. Votre ceinture de sécurité doit être attachée en tout temps lorsque le vol illuminé est allumé. Pour assurer votre sécurité en cas de turbulence imprévue, il est recommandé de garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Il y a un total de 14 sorties de secours sur cet appareil. Il y a 2 sorties situées à l'avant et 2 sorties situées à l'arrière de la cabine. Ces sorties d'urgence sont clairement indiquées. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche près de votre place ainsi que l'emplacement des autres sorties de secours. Mais notez que la sortie la plus proche pourrait être située derrière vous. Cet appareil est équipé d'un éclairage au sol qui s'allumera en cas d'urgence ou de peine d'alimentation. Une plage illuminée vous conduira à la sortie d'urgence. Veuillez redresser le dossier de votre siège et votre tablette et respecter les consignes de menu situées sur le panneau au-dessus de vous. Vous pouvez maintenant utiliser vos écouteurs et appareils électroniques de poche pour vous que cet appareil demeure dans vos mains de manière sécuritaire et que le signal se laisse souhaiter. Si vous avez des questions, si nous pouvons vous aider de quelque manière, n'hésitez pas à nous rappeler. Nous nous ferons plaisir de vous aider. Merci de votre attention et bon vol.